Waouh! Bonjour, frère Maxime, comment nous y? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, qui entre là à nous, moi dis nous un grand, grand, grand merci et moi fier de nous-mêmes parce que qu'on est là, moi atteindre 10 000 abonnés. Et pour nous fêter ça en grand, moi pour préparer un gâteau de whisky pour nous, ok? Qu'on a commencé gâteau de whisky à comme ça là, avec 3 bâtons de beurre. Là, c'est un bloc et demi, ok? Allez, on commence là. Ok, lorsque nous gardons nous, le beurre étant commencé blanchi, bien blanchi, qu'on a ajouté une tasse et demi de sucre là-dedans. Nous tout mettons d'un coup. Qu'on a là, on va continuer encore pour me quitter à fond toujours. Pendant que vous brassez de temps en temps, il faut que vous brassez sous côté pour qu'elle cherche le sucre qui est sous côté. Et puis, il y a un bagage qui est très important, m'a dit nous tout. Gâteau whisky, moi pas mettre jaune œuf là-dedans, blanc œuf en neige et puis pour me mettre là-dedans pour finition. On a jusqu'à maintenant, m'a continué à quitter tout le sucre à fin fond. Là, moi gagné beurre et sucre. Pour recette ça, moi besoin d'une tasse et demie de lait. Ça fait presque 10 minutes la tourner là. Pour qui ça me fait la brasser long comme ça, m'a fait le brasser long comme ça pour qui ça? Pour sucre à fond, OK? Attendez. Après 10 minutes là, qu'on a gagné une tasse et demie. Et puis, il y a 4 tasses de farine pour le mettre. Tout de suite, là, il doit mettre un peu de lait. Et pas parce que mettez un peu de lait là, qu'on a ça va le faire pas bon. C'est pas vrai. Mettez un peu de lait là-dedans. Lait, moi, mettez pour le cas. Aidez-moi à fondre le sucre là le plus vite que possible. Donc, on va continuer. Qu'on a là, ça fait au moins une trentaine de minutes la brasser là. Voilà, c'est bien crémeux, il n'y a plus de sucre. 4 tasses de farine. Pas oublier, moi te dis non, moi gagne, ça prend une tasse et demie de lait. Je vais vider un peu déjà pour moi te simplement aider sucre moins fondre plus rapide. Sauf l'eau, je ne dois pas faire. C'est une couche farine. D'un coup, on a embralé graduellement, le reste de farine, ça, qu'on a embralé, mettre 5 petites cuillères de poudre d'élévation là-dedans. Bien brassé, moi mettez reste lait là. M'a toujours aller doucement. OK, fini le fin bien brassé. Là moi j'ai mettez 5 petites cuillères de poudre d'élévation. Moi mettez moitié encore. N'a quitte un petit crasse tout petit, OK? Une fois que vous quittez le brassé en bon 3 minutes avec vitesse maximum qu'on a la mené moi mettez demi tasse de whisky là-dedans qu'on a brassé délicatement dès que on senti whisky a commencé à rentrer tout de suite moi mettez tiré farine là. Ça veut dire là il toujours un petit glow whisky là-dedans là toujours il pas fini disparaître net non. Parce que je voulais tout prendre goût whisky. Quand on est là, je vais mettre blanc œuf là-dedans. OK? Pour mettre blanc œuf, je vais retirer, je ne vais pas faire avec fouet parce que je voulais mettre. Pour mettre blanc œuf, il faut soulever. Ça sent bon. Quand on est là, je vais répondre à quelques petites questions. Si vous voulez mettre cannelle, ou vous voulez mettre muscade, ou vous voulez mettre zeste de citron ou cametel. Là, nous faisons un gâteau avec whisky. Vous pouvez acheter un whisky qui est bien cher. Et puis, vous allez goûter. Et puis, même les gens aiment goûter un gâteau au beurre pour goûter même ma gravelle. Si nous-mêmes nous voulons mettre, nous sommes capables de mettre. Ce n'est pas la fin du monde. Ok. On est là, on va le verser dans le moule. Ok. Et moi, venez avec mon lieu là. Moi, fariner ou bien fariner. Ok. Moi, déposer là. Et vous faites gâteau dans n'importe quel moule. Nous n'avons pas besoin qu'on qui grosse, qui la gèle. Toujours maintenant, tête tout, c'est la moitié. Quand on a là, on va le mettre dans le four. On va le mettre froid préchauffé. On va dire, on va le mettre froid à 350 degrés. Froid va le chauffer. Quand on arrive à 350, la sonner. Là, on va mettre dans le four. Et puis, on va mettre 35 minutes. Après 35 minutes, on va le tester. Il n'est pas prêt.
et puis m'a pas ajouté l'autre 10 minutes encore. Quand il sonne là, m'a sorti les pour moi. Bien sûr que c'est plus gros pour nous garder avant, c'est pas fait ça. Moi juste garder pour moi, est-ce que la sorti mouillé? Non, c'est pas fait ça. C'est pas fait qu'on a là m'a le conserver. On a là m'a le faire une crème pour moi décorer gâteau au whisky. Ça me fait, nous sommes, j'aime de prendre 10 blancs œufs, moi te déposer dans le gâteau qu'on a mis 10 jaunes. Dans 10 jaunes qui ça me besoin, gâteau. Moi gagne une demi-tasse de sucre, moi tout verser là-dedans. OK? Les moi même en Haïti, j'ai vous montré nous faire. Même 10 jaunes côté de là, moi t'ap prend un bâton de beurre, moi t'ap déposer là-dedans directement là et puis m'ap craser tout ensemble et puis qu'on a pour mal faire dans cuite dans bain-marie. Qu'on a moi-même avec expérience, moi vinn gagne qu'on a pour faire une autre façon. Qu'on a là moi pral moi fin brasser là. Les moi mettre ça sous bain-marie, regardez, qu'on a qui ça me fait. Moi mette bâton beurre fond dans un petit chaudier avec un petit feu doucement doucement qui vient même ça qu'on a qui ça m'va faire m'va seulement prendre beurre clarifié moi pas prendre l'autre là en bas là qu'on a là m'va déposer sur un bain-marie on a là m'a fouetté li pendant de l'eau bouillir en bas là et puis chaler à monter de temps en temps m'a brasser OK pendant que m'a brasser là tout quand que m'garde moi chaler à trop haut aussi m'a retiré le sous du feu hein. Si vous remarquez là, il commence à avoir un petit jambon blanchi. Hein. Si crème ça m'a fait ben nous là, c'est comme si c'est un hollandaise sucré lié. OK? Combien de temps me fait quitter le feu hein? C'est comme si me fait 30 secondes bain marie et puis en 30 secondes moi descendre. Parce que si chaleur a monté trop en dehors sous lui qu'on a heure après venir cuire. Si le cuit n'est pas bon, OK? Commencer ouais, il commence un petit jambon vraiment blanc et puis n'a regardé nos petits filets jaunes qu'il a, à veut dire commencer vraiment diminuer. OK, moi là qu'on a là, on va commencer mettre beurre clarifié, a toujours les mêmes procédures, OK? C'est un bâton hein, un bâton. On commence mettre. On va mettre tout d'un coup là parce que sinon on va passer, on va perdre. Qu'on a la me déposer puis moi mettre demi tasse de whisky à la dedans graduellement OK pour une troisième fois qu'on a mettre dernière couche whisky à la toute fin qu'on a c'est fini là qu'on a la moi mettre un bouchon de vrai vanille là dedans bingo yes et puis qu'on a là c'est fait c'est voilà ça là moi dire non bagaille. C'est très important, ça m'a dit non, OK? C'est pas parce qu'il y a le gâteau whisky, c'est un gâteau de luxe lié, nous obligés faire pour nous bailler mon nid, nous penser un gâteau whisky doit durer un an, 9 mois, 3 mois, 6 mois, là, c'est pas vrai, là. Un gâteau whisky, c'est un gâteau, dès qu'on finit faire là, tant que par exemple, son gâteau ou bailler manger dans les 24 heures. Elle veut dire, ou faire pour la journée, pour mon manger. Parce que, crème hollandaise sucre au fer, c'est pas une crème qui est résistant, OK? D'ailleurs, c'est pour cette raison ça nous pas mettre jaune œuf dans le gâteau. Na tout ça ou à l'entrée pour absorber parce que gâteau son gâteau très fin lié, OK? On a la petite crème nous déposer là. On commence à mettre à l'intérieur là. Moi mettons l'autre sous lui encore. On va faire la même chose encore. Un petit petit en haut. La même chose encore. Comment ça coule? Qu'on a là qu'on a va chercher faire on serre des petits points. Une fois que nous avons tout ça bien coulé là, ça là c'est petit paille coco et séché, OK? Nous mettez sous lui. C'est lui qui va et peut-être ça même soit la coulé là c'est pas un problème, sauf que moi même moi te mettre tapis à mettre un petit tapis à l'avance pour qui ça? Pas pour rien mettre tapis à parce que bat de mettre directement sous bol là. Qu'on a une fois mettre ça haut qu'on a la mettre petit grain de raisin. OK. On a là moi mettre rouge. Ou tu gagne droit mettre cerise verte aussi sous gain. Qu'on a gagne droit mettre d'autres choses en côté on doit mettre cerise verte ou peu importe, moi même mettre raisin frais.
Quand y a là, je mettais quelques petites fraises. Ouais, imagine aussi que j'ai une mangue là. Je vais jouer une mangue. Je vais chercher une mangue. Je vais jouer une mangue. Je vais jouer une mangue jaune là. Peu importe quelle mangue là, qu'on a mis une mangue là-dedans. Et puis c'était parfait, mais ok, mais gâteau, on nettoie tout ce côté là. Qu'on a tout vin bien propre, c'est ça? Qu'on a là ou même soit venir faire ou lever ou déposer là yon sous yon sort gen besoin. Hein? Moi mande nous chaque qui a suivi moi là, nous fin garder vidéo là. Voyez le bay yon zami nous qui qu'on habitué suivre moi. Nous gen plus que 10 000 abonnés, moi dis nous yon grand grand merci. Moi ta remè fè yon live de façon spéciale pour nous, yon live dans 30 minutes. Qu'on a dans remè dans commentaire en bas ça. En bas gâteau ça même, voyez le bay zamou, nous tout. Mandem ki 3 resept nou ta remen fe. Yon rentre, yon plat principal, et yon dessert. Nan 30 minutes, pou mwen vin nan, mwen fel pou nou live sou YouTube, avek nou tout nap chwazi jou nou. Ok? Se sur ke nou tout ap mette komante nou nap di jou. Mwen al peze pou le kont, sa gen plus majorite a, map fel. Mem ta remen fel toujou lan lè abituel. Ta vle di, mem si se ton madi, se 7h30 ou bien samedi, 7h30 nou ta remen, di toujou 7h30, ok? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui était entré dans la galerie.